Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport. C'est le premier numéro de cette saison sur TV78. On ne change pas une recette qui fonctionne. Au programme, comme toujours, une dose de bonne humeur, des analyses sportives et surtout des coups de gueule et des débats. Et aujourd'hui, on fête un événement. C'est le retour de nos chroniqueurs en plateau après des mois de visio présentation en musique. On commence à ma droite. Il ne tient plus en place depuis plusieurs jours. Il voulait absolument revenir sur le plateau de TV78. C'est un passionné de cyclisme, le capitaine Yann Jarier, pistard au club de Vélizy 78, est avec Bonsoir nous. Bonsoir Michael. Oui, heureux d'être de retour parmi vous sur vous le plateau. Vous avez l'air très heureux. Oui, vraiment content d'être là. Et en plus, on va parler de sujets très intéressants et passionnants. Donc, go, on y va. On va voir ça. On continue notre tour de table musique. C'est le meilleur d'entre nous. Il connaît tout sur tout. C'est un fin connaisseur du monde du sport. Il est journaliste chez TV78. C'est notre Italian Lover, Grégory Canale, sera avec nous pendant une heure. Grégory. Bonjour Mickaël, bonjour Yann, bonjour à tous. C'est un Italian Lover vainqueur en plus cette année, une année italienne tonitruante. Voilà, je tiens à le préciser. Je voulais notamment à l'Euro. Je voulais fêter, oui. L'Eurovision, l'Euro de football, record de médailles au JO, record de médailles aux Jeux paralympiques, le titre en Euro féminin de volley. Bref, c'est une année italienne vraiment au top. Et vous avez intégré l'équipe du SOP Sport également, une super année. Voilà. Hein, bon, je vais retirer mes lunettes par respect pour mes camarades. Ouais, c'est ma première sur le SOP Sport avec du monde en plateau, donc on est content. Et d'ailleurs, juste sur l'Euro, petit aparté, je tiens à laver ma réputation de mauvais pronostiqueur. On avait dit, on me prête d'être un mauvais pronostiqueur. Dans les équipes finalistes de l'Euro, j'avais mis Italie et Angleterre. Finalement, c'était la finale de l'Euro. Comme quoi, c'était votre année. Voilà, c'était mon année. On continue à ma droite. Musique, lui aussi est surexcité à l'idée de retrouver le plateau. Il n'en dort plus la nuit depuis plusieurs jours. Il est très bon en visio, mais il est excellent en plateau. Le gladiateur du rugby club de Versailles, Pierre Chevalier, est avec nous. Forme et bonheur à tous, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver, de retrouver le plateau. C'est un grand moment, effectivement, une grande première. Après, on le voyait genre 18 mois à peu près. 18 mois sans se voir, sans être à côté, sans pouvoir jouter. Le 11 mars en dernier, c'était ça. 11 mars 2020. Voilà. Une éternité, content d'être back. On a gardé le meilleur pour la fin, musique. Ce plateau, c'est chez lui et il est ravi de revenir pour y mettre le feu une nouvelle fois, au sens figuré bien sûr. C'est le chouchou des téléspectateurs, mesdames et messieurs, Jean Miss, ex-entraîneur de plaisir, est avec nous. Bonjour Mickaël et bonjour à tous. Comment allez-vous? Comme tout le monde, super content de revenir sur le plateau. Vraiment, plein de bourre, plein de forme, prêt, je connais tout par cœur. Presque. Bon, à quelque chose près. Alors, on va commencer par de la boxe. On va parler du dernier combat de Tony Yoka, perturbé par la mobilité de Petar Milas, le Croate. Livinois originaire de Chanteloup-les-Vignes a réussi à trouver la solution par un enchaînement au corps à la fin du 7e round. Tony Yoka, 29 ans, sort vainqueur par KO de ce combat qui s'est tenu à Roland-Garros devant plusieurs milliers de spectateurs. C'est sa 11e victoire en 11 combats disputés, dont 9 par KO. Cette victoire peut-elle le faire rentrer dans le cœur des Français? Oui ou non? Vous votez. Ah, vous êtes partagé. Grégory, pour vous, c'est non. Non pour vous, Pierre Chevalier. Vous êtes partagé, Jean. Et vous, Yann, vous êtes partagé également. Ah oui. Bon, on fait un petit duel entre vous, Jean et Pierre. Allez, c'est parti. Premier duel de la saison. Jean, pourquoi vous êtes partagé? Alors, je suis partagé, pourquoi? Parce que, rentrer dans le cœur des Français, oui, pourquoi pas? Parce que, y a un moment qu'on n'a pas vu un boxeur français un petit peu en haut de l'affiche. Donc, au niveau médiatique, je dirais oui, pourquoi pas? Ça peut le faire rentrer dans le cœur des Français. Maintenant, mon bémol, c'est au niveau sportif. Au niveau sportif, pour moi, il n'a pas encore montré que c'était un grand parmi les grands, quoi. Parce que là, effectivement, 11 combats, 11 victoires, 9 KO. Même le dernier. C'est pas mal. Non, mais c'est pas mal, d'accord. Mais si vous jouez, et si on se bat contre le leader du Macumba. Non, pas le leader du Macumba. Vous avez utilisé cette expression. Oui, mais c'est vrai. Mais bon, celui qui fait des marrons à la foire de la poigne, non. Pour moi, il n'a pas encore combattu une pointure. Donc, sportivement, c'est pour ça que je mets le bémol. Parce que pour moi, il n'est pas encore parmi les grands. Voilà. Même ce dernier combat... avec cet adversaire qui était quand même assez vif pour un poids lourd. Je trouvais qu'il était très vif.
Mais quand même, il n'avait jamais perdu d'ailleurs, hein, Peter Milas. Hein. Oui, d'accord, mais enfin, c'est pareil, lui, s'il a joué que les caissières d'Intermarché, c'est pareil. Pierre Chevalier. En justifiant son côté partagé, Jean a pointé le bon argument et qui fait qu'on sera d'accord comme souvent, c'est que sportivement, on ne peut pas retirer grand-chose de ce combat-là. On avait l'impression que c'était David contre Goliath avec une espèce de petit moustique là, qui tournait autour. Alors super, super tonique et avec des bons jibes et qu'il travaillait un petit peu. Mais en fait, Yokai, il a quand même du mal à l'attraper au fur et à mesure et à être en fait à distance et à pouvoir se mesurer réellement. Donc je dirais d'une certaine manière, Milas n'était pas de taille, donc, propre et au figuré, d'un combat comme celui-là. Et pour en tirer des enseignements en disant, est-ce que Yoka, avec son gabarit, son poids, dans sa catégorie, peut se mesurer au plus grand? Sur un combat comme celui-là, c'est impossible à dire. Impossible à dire. Alors après, il faut le gagner. Hein. Ça reste une victoire. Ça reste une victoire par KO dans une très belle enceinte. Le retour des événements sportifs avec du public. Oui, justement, on va s'en souvenir peut-être de ce combat. Et puis, en plus, il y avait du monde. Il y avait du beau linge. Il y avait du beau linge sur ces combats, parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'il y avait juste avant, en début de réunion. Oui, il fallait gagner et c'est très bien. Par contre, je pense que c'est pas révélateur d'un niveau de championnat du monde, par exemple. Yann Ujari, vous êtes d'accord avec Pierre et Jean, finalement, qui sont plus ou moins d'accord? J'irais même jusqu'à dire rien à ajouter parce qu'en effet, je voulais parler de l'enceinte. Je trouvais que faire un combat de boxe. Il y a eu aussi l'après Belmondo aussi, c'était combat. Mais ça c'est entre guillemets un hasard du calendrier. Mais on s'en souviendra finalement. Mais bien sûr qu'on s'en souviendra. Ah, ça n'a pas été fait exprès. J'ai même lu qu'on se souviendrait peut-être plus de l'hommage à Jean-Paul Belmondo que du combat en lui-même. Donc voilà. Moi j'ai quand même beaucoup de mal avec la boxe, encore plus, et j'en parlerai plus tard. Dans d'autres émissions, avec par rapport à ce qui s'est pu se passer aux Jeux Olympiques cette année, encore une fois. Pour que Yoka rentre, pour moi, Yoka, il est déjà dans le cœur des Français par rapport aux résultats et en plus à l'image qu'il peut avoir avec sa femme. Vous allez me redire son nom. Estelle Yoka. Estelle Yoka, maintenant. Donc déjà, voilà, il a quand même ce côté emblématique dans le cœur des Français où ils sont un couple un peu atypique et puis ils sont sympathiques. L'image qu'on peut en dégager. Ils ont gagné une médaille d'or au JO également. Ils ont tous les deux gagné une médaille d'or au JO. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté sympathie au niveau des Français. Maintenant, ça reste un sport, la boxe, qui reste quelque chose de marginal. Même si c'est le sport noble, ça reste quand même un sport un peu marginal dans l'esprit des Français. Et puis voilà, il va falloir aller taper des boxeurs beaucoup plus. Des noms plus clinquants. Et là, moi, j'ai sorti le top 20 des comment ça s'appelle, le top 20 des poids lourds. Voilà, des poids lourds. Il est 15e. Il est 15e, effectivement. Voilà. Et je pense qu'il aimerait taper un top 10. Et c'est vrai qu'en effet, son objectif, Joe justement, Joyce, à la fin. Joe Joyce, ce serait le bon adversaire parce que. Il a Tony à 11 combats sans défaite et Joe en a 13. Donc c'est vrai que ça pourrait être le combat sympa par la suite. Il a quitté son adversaire en finale à Rio de 2016, donc il l'a déjà battu et ça lui permettrait de conquérir une deuxième ceinture parce que Tony Yoka, il a eu cette ceinture de l'Union Européenne face à son dernier adversaire Tambue Djeko, et là il doit conquérir cette ceinture EBU avant d'aller chercher un titre mondial. Moi je suis d'accord avec ce que disait Yann sur le côté, il est déjà dans le cœur des Français avec son couple avec Estelle, il y a ce titre olympique en 2016. Maintenant, sa conquête, c'est comme ça qu'il l'a appelé, c'est l'émission que lui a consacré la chaîne cryptée Canal+, eh bien on en est encore loin. La conquête, c'est d'aller chercher ce titre mondial. Il s'est fixé comme objectif 2022, ça va être très difficile s'il ne combat pas Joyce, je suis d'accord avec toi Yann, au moins avant la fin de l'année. Il faut déjà battre un top mondial, à mon sens, une vraie affiche. Et il l'a dit à la fin de son combat, il a dit je veux un top 10. Et en plus, Milas n'avait pas combattu depuis 2019, donc ça renforce encore plus le fait qu'il affrontait un adversaire de moindre renommée. C'était le seul dispo, quoi, samedi dernier. Mais Joe Joyce, ça avait été évoqué un temps, et finalement les promoteurs avaient préféré un autre challenger pour Joe Joyce, donc
pourquoi pas le voir avant la fin de l'année. On parle aussi de plus en plus de voir Tony Yoka aller combattre en Chine, puisque son promoteur Bob Arum a pas mal de contacts dans les casinos de Macao. Donc ça pourrait être pas mal aussi de... Bob Arum qui a l'habitude de faire de gros combats, hein, notamment de boxe, et chez les poids lourds notamment. Donc de voir peut-être une renommée internationale. C'est quand même le combattant dans les 20 premiers qui a le moins de combats, donc il faut encore qu'il s'aguerrisse. Ouais. Et je pense qu'il lui faut là un top 10, il lui faut encore 5 combats, mais avec des mecs du top 20, pour pouvoir prendre encore de l'expérience pour aller chercher un top 5, parce que là, en effet, c'est du très très lourd. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. N'hésitez pas en tout cas, si vous avez d'autres tops à nous proposer, à Yael Dujarrier, le top des top croisières dans les Yvelines, le top des sorties pour le dimanche. N'hésitez pas en tout cas. Alors aujourd'hui, nous allons parler des sportifs paralympiques yvelinois présents cet été à Tokyo. Coup de projecteur également sur la retraite international du pistard de l'équipe de France, François Pervy. L'Yvelinois était 7 fois champion du monde. Mais avant de développer ces thèmes, on va parler des Jeux Olympiques de Tokyo et des performances de nos Yvelinois. On va donc parler des performances de nos sportifs yvelinois au JO de Tokyo. On va décortiquer les performances de chaque sportif du 78 présent cet été au pays du soleil levant. Et vous allez me dire si leurs performances peuvent être considérées comme des tops ou des flops. On va tout de suite commencer par deux l'aviron et la sportive de 23 ans Claire Beauvais. La rameuse licenciée à Mantes-la-Jolie monte sur la deuxième marche du podium avec sa coéquipière Laura Tarantola. Le duo termine juste derrière l'Italie pour seulement quelques millièmes de seconde. Une première médaille pour l'aviron français féminin depuis 1996. L'Italie, effectivement. Bon, celle-là, pour le coup, hein, vous auriez pu nous la laisser. Hein. Alors, top ou flop sur cette performance de Claire Beauvais? Bon, vous êtes unanime. Bon, pour vous, bien sûr, c'est une bonne performance. Pour vous, Grégory. Non, mais au-delà voilà, de la petite blague sur l'Italie, non, top forcément. Si on prend l'objectif qui était fixé par Claire Beauvais et Laura Tarantola, c'était un podium olympique. L'objectif est rempli. C'est vrai qu'il y a la petite amertume d'avoir ce titre olympique qui échappe pour quelques millièmes de seconde. Il ne faut pas oublier que ça faisait 25 ans que cette médaille olympique fuyait l'aviron français. Les derniers Jeux olympiques, c'est Atlanta en 96. Et donc, rien que pour ça, on ne peut pas dire que c'est un flop. C'est quand même une grosse performance qui est faite par cette yvelinoise. Vous êtes d'accord, Yann Gérier? C'est quand même un peu rageant quand même non, de perdre pour... Alors, même pas un dixième de bateau. Sur le moment, bien sûr que c'est rageant, bien sûr qu'on se dit pourquoi j'ai pas mis plus. Mais après, avec le recul, comme tu viens de dire, à 25 ans, c'est pas comme si on était ans. Une. C'est pas, non, 25 ans, pour, 25 ans qu'on n'avait pas 96. Une médaille. Voilà. C'est pas comme si on était une nation forte dans cette discipline. Donc voilà, c'est un très bel exploit. Je pense qu'elles sont jeunes, 23 ans, et donc du coup, elles peuvent se dire on a dans 3 ans, on sera à Paris. Oui. Et là, il y aura du public en plus, on aura une motivation supplémentaire et ça pourra faire la différence. Pierre Chevalier. Ça reste une médaille olympique. Il y a 3 médailles possibles dans toutes les disciplines et vu le nombre de sportifs qui s'y préparent, sportifs et sportives, avec les Paralympiques et autres, ça en fait énormément et c'est sur 4 ans, 5 ans, 5 ans pour le coup, là, sur Tokyo. Donc une belle réalisation. On passe pas loin, mais. On l'avait rencontré en tout cas juste avant les Jeux Olympiques. Elle visait l'or, hein, clairement. Hein, podium minimum et or si possible. Objectif atteint. Pour vous, Jean. Objectif atteint, quand même. Comme il a dit Yann, 25 ans qu'on rame dans cette discipline. Donc l'argent, on va pas y cracher dessus. Alors on va maintenant parler de boxe, encore une fois. Déception pour Maïva Amadouche, éliminée dès le premier tour des moins de 60 kilos en boxe. La boxeuse d'Elancourt n'aura pas réussi à trouver la solution face à la Finlandaise Mira Potkonen. On l'a même sentie très énervée à la fin du combat. Elle a expliqué ne pas avoir vraiment compris les décisions des juges. Maïva Amadouche, c'est quand même un nom dans la boxe française, avec notamment 22 victoires en 23 combats chez les professionnels, un titre de champion du monde. Cette performance est-elle un top ou un flop? Flop pour vous. Mais, déception. Plus voilà. Déception. Jean, je vous ai vu à dégainer le premier, allez-y. Non, parce que flop par rapport au résultat sportif, c'est sûr. Mais c'est quand même la déception. C'est un gros problème, la boxe, là, au niveau olympique, avec les Français. C'est un gros problème.
Je dis pas, fait, je sais pas si vous avez. Oui, il y a souvent des horaires d'arbitrage. C'est ouais. Dans... Fait, là, c'est pas des horaires. Quand concerne même, la France. Il y en a eu 3 ou 4 là. Oui, oui, c'est sur la France surtout quand même. Hein. Donc, on va pas jouer les parano, mais je pense qu'elle se fait voler quand même le combat. Moi, c'est, voilà. C'est l'impression que ça donne. La première, ça donne mais... avec un tout petit peu de recul, c'est on se dit, bah, les Français, on a été sympa avec eux à Rio, ils ont gagné pas mal de titres. Bah là, maintenant, on va les saquer. Voilà. Et parce qu'on a, parce qu'à Londres, on les avait déjà saqués. Il y a eu des erreurs d'arbitrage avant Rio. Également. À Londres, il y a oui, eu des c'est... erreurs d'arbitrage. Tout à fait. À Londres, ça avait été déjà. Tokyo, ça fait beaucoup. Mais ouais. Côté non. Hommes et femmes d'ailleurs. Et il y a que l'arbitrage qui explique peut-être la mauvaise performance de Maïva Amadouche ou pas Pierre Chevalier. Non, non. Que l'arbitrage, sauf pas que le combat, ouais. C'est le combat. Si on en avait beaucoup parlé en fait de cette boxeuse. Juste avant qu'on chante. À juste titre, parce que c'était forcément l'une des potentiels médaillés aux Jeux Olympiques. Mais été. Après, c'est le facteur X qui fait basculer la décision finale. On ne peut pas dire que c'est que l'arbitrage. Si elle avait été vraiment au top dans son combat et si elle avait été vraiment au rendez-vous, il n'y aurait même pas eu besoin d'une décision d'arbitrage. Donc on ne peut pas dire que c'est que la faute de l'arbitrage. Mais ça a pesé quand même lourd dans la balance avec une incompréhension quand même globale sur toutes les décisions des arbitres. Ouais. Aspénier, oui, justement, du troisième round, qu'elle perd alors qu'elle est à deux doigts de mettre KO finalement la Finlandaise. C'est surtout ça, sur ça qu'elle... C'est impossible qu'elle le perde, ce troisième round. Qu'elle critiquait la décision de l'arbitrage. Oui, on vient juste de parler d'aviron où ça joue au chrono à très peu. Et en effet... À la photo finish, il n'y a pas de discussion, l'arbitre prend une décision. Là, sur la boxe, je suis désolé, l'arbitre peut prendre une décision qui, derrière, sera très, très discutable. Et en effet, voilà. Et pour moi, la boxe aux Jeux Olympiques ne respecte pas les valeurs de l'olympisme. Et aujourd'hui, on essaye de... Enfin, depuis des années, on essaye de réduire les sports et de réduire le nombre d'athlètes, etc. Ben, je pense que pour moi, si on enlevait la boxe, ben, ce ne serait pas une grosse perte. Voilà. C'est vrai que côté sportif... Ouais. On peut comprendre aussi qu'elle ait des difficultés hein, face à cet adversaire qui l'avait battu, me semble, en finale du championnat d'Europe. Hein, c'est la double championne d'Europe en titre. Après, c'est vrai, oui, il y a des constatations à faire. Là, effectivement, la décision elle s'est jouée sur 3 des 5 juges qui ont penché en la faveur de la Finlandaise, qui en plus avait écopé d'un avertissement hein, dans le troisième round, il me semble. Donc, ouais. C'est vrai qu'on peut... Voilà, on peut mettre en avant cette amertume. Elle est quasiment KO. Mais on peut l'étendre à l'ensemble du clan français. Il y a forcément le cas de Mourad Aliyev. Voilà, il y a plein d'exemples dans ces JO. Mais Mourad Aliyev, qui a même été jusqu'au tribunal arbitral du sport, pardon, pour avoir peut-être une correction sur sa disqualification, il ne l'a pas eu. C'est vrai qu'on peut être frustré après ces décisions arbitrales aux JO. Donc ça reste quand même un flop, selon vous, malgré cette décision d'arbitrage un peu litigieuse. Sportivement, c'est pas un exploit, perdre au premier tour. C'était la seule boxeuse française en lice, on attendait beaucoup, on la pressentait comme porte-drapeau. Finalement, il y a eu déjà cette petite déception. C'est vrai que sur le plan sportif, on ne peut être que déçu. On est obligé de dire que c'est un flop sur le plan sportif. Voilà. En tout cas, on lui souhaite bon courage pour la suite de sa carrière parce qu'elle va continuer hein, chez les professionnels à faire des combats. On va maintenant parler de triathlon en individuel. Léonie Perriou a terminé 5e du triathlon féminin. L'athlète licenciée à Poissy de 26 ans finit à seulement 45 secondes du podium en 1h57 et 49 secondes. Sur la même course, Cassandre Beaugrand de Poissy a abandonné. Enfin, chez les hommes, en individuel, Dorian Coninx a terminé 17e. Par contre, en relais mixte, le club de Poissy a brillé. Léonie Perriou, Dorian Coninx et Cassandre Beaugrand avec les Sauniens. Vincent Louis remporte le bronze. De retour dans la commune de Poissy, nous avons recueilli leur réaction. Moi, ça fait un long moment maintenant. J'étais vraiment jeune quand j'étais au club, donc ça fait vraiment plaisir de le partager avec toutes ces personnes, justement. Ça fait très plaisir de ramener la médaille à la ville. C'est vrai que c'est notre partenaire phare. Donc ramener ça donc, à Monsieur le maire, mais à tous les pissiaqués, ça fait vraiment très plaisir, ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un top ou un flop, finalement? Médaille de bronze au JO en relais mixte, mais en individuel, 5e seulement pour... Enfin, seulement, l'une des plus belles performances de sa carrière pour Léonie Perriou. Et abandon pour Cassandre Beaugrand, par exemple, qui était l'une des favorites. Qu'est-ce que vous pensez de Poissy Triathlon? Globalement, est-ce qu'ils ont réussi leur JO? Poissy Triathlon, oui. Avec une médaille de bronze, finalement, quand même. Faut quand même remettre, c'est un club... Vous êtes mitigé, on va vous donner la parole l'un après l'autre. C'est un club qui met 3 éléments dans l'équipe de France qui est aux Jeux Olympiques, sur 4.
En effet, il ramène une médaille de bronze, donc globalement, c'est même pas l'équipe de France, c'est l'équipe de Poissy qui a gagné qui gagne 75% de l'équipe. Si on parle du triathlon, c'est, après, si c'est maintenant l'un des meilleurs clubs d'Europe. Poissy-triathlon. Si on parle du triathlon, dans la globalité, c'est bah oui, parce que Vincent Louis, il est double champion, il est deux fois champion du monde sur les deux dernières années. Il est 16e, voilà. On attendait beaucoup de médailles en tout cas de ce triathlon. Et là, grosse déception. Après, c'est pareil, là, le programme olympique était compliqué parce que les épreuves étaient à 4h du matin. Vous auriez pu faire un effort. Si on parle de Loëni Perriot, c'était ses premiers JO. Son résultat individuel, il est très satisfaisant. L'un des meilleurs de sa carrière. En plus, voilà, sur des JO, sortir un top 5 alors qu'elle n'a jamais fait sur une Coupe du Monde au préalable ou sur un championnat du monde, c'est top. Et justement, elle a fini deuxième, je crois, si mes souvenirs sont bons, sur l'épreuve qui a suivi juste derrière, une épreuve mondiale. Donc elle monte en puissance, cette Léonie Perriot. Pierre Chevalier, qu'est-ce que vous en pensez de ce club de Poissy Triathlon? Je dis que c'est une légère déception, ça reste une médaille quand même, comme on l'a dit. De toute façon, il n'y a que trois médailles dans la discipline. Mais c'est une impression assez globale sur ces jeux-là qu'on a été en France meilleur en collectif, et notamment en sport co, qu'en individuel. Sauf en football. Et sauf en foot, on s'est fait vite sortir, effectivement. Mais si tu fais après le bilan sur les sports collectifs, c'est assez remarquable. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Mais donc, je retiens que là aussi, en triathlon, on a été meilleur par équipe qu'en individuel. Donc oui, déception. Déception. Jean, vous êtes d'accord aussi? Déception. Oui, juste rajouter qu'effectivement, je suis déçu parce que c'est une discipline où on a quand même l'habitude d'avoir des podiums sur les rendez-vous internationaux, championnat du monde. Rendez-vous internationaux, mais pas au JO, par contre. Non, mais championnat du monde, j'ai dit sur les championnats du monde. Hein, j'ai bien dit sur les championnats du monde. Je précise, Michael. Hein. Je précise, c'est la reprise. Je l'ai dit. Je titillerai un peu en disant, effectivement, une médaille olympique, c'est exceptionnel. Mais il y a un demi-flop quand même sur ce bronze où quand même l'équipe mixte de triathlon glanait tous les titres mondiaux sur les dernières années. Donc la médaille de bronze, moi il y a quand même un petit demi-flop. C'est la première médaille, Jean, je précise, pour l'équipe de France aux Jeux Olympiques de triathlon. Première médaille. Mais l'objectif, c'était l'or avant qui était affiché. Il dominait en relais mix depuis 2-3 ans. Comme dans beaucoup de disciplines, on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tard dans l'émission. Alors en golf, Antoine Rosner, pensionnaire du golf de la Boulie à Versailles, a terminé à la 45e place de l'épreuve individuelle. Qualifié au dernier moment, le golfeur de 28 ans était pourtant au 15e rang après deux tours dans le tournoi. Le Français s'est dit un peu déçu après sa performance, lui qui nourrissait de grandes ambitions à Tokyo. Cette performance est-elle un top ou un flop? Pierre Chevalier, vous êtes scruté. Flop également. Alors, Pierre Chevalier, vous qui le connaissez bien. On est entre nous. Obligé de mettre les pieds dans le plat. Le golf aux Jeux Olympiques, c'est pas vieux. C'est relativement récent. Il y avait Rio et maintenant il y avait Tokyo. Ça donne l'occasion à finalement presque des illustres inconnus de se distinguer pour leur pays. Les professionnels ne sont vraiment pas tous là, pour ne pas dire il y en a pas beaucoup. Il y a très peu de qualifiés par pays aussi, il faut le préciser. Exactement. Ils ne sont pas tous qualifiés. Par exemple, les Américains, je crois qu'il y a deux invités par pays. Ils font des choix aussi par rapport aux tournois qui jouent au niveau professionnel. L'année dernière, c'était Justin Rose, donc une tête d'affiche. Cette année, je ne me souviens même pas le nom du champion olympique, le Xander. Pour Antoine et Romain, Langas, c'est l'apprentissage qui continue. Pour eux, qui sont quand même de relativement jeunes golfeurs, c'est un tournoi international scruté par la planète entière, même plus que les tournois professionnels du PGA Tour, par exemple. Il était dans le coup au début, Antoine, et effectivement, on aurait pu penser qu'il allait, parce que c'est vraiment un homme des moving days en plus, et qui peut vraiment doubler et coiffer tout le monde au poteau à la fin. Donc déception parce qu'en gros, il était dans une très très belle dynamique. On en a suffisamment parlé ici avec les tournois qu'il a gagnés fin 2020 et début 2021. Déception parce que c'était a priori un tournoi à sa portée. Alors,
parcours pas facile, hein, parcours pas facile au Japon, mais ça va lui servir d'une manière ou d'une autre, on va dire. Oui, il est encore jeune. Pour reprendre la langue de bois, on va dire. Il a 28 ans, juste. Il a perdu, enfin, il n'a pas gagné. Il commence à peine à se faire connaître sur le circuit mondial. Ça va lui servir, il va apprendre en ayant raté le podium. Grégory. Oui, moi je suis sur la même dynamique, c'est déçu, flop, au vu de son ascension de ces derniers mois. Pierre en a parlé, sa victoire au Qatar, sa victoire à Dubaï sur ces derniers mois. Voilà, c'est l'ascension d'Antoine Rosner. Il se qualifie au dernier moment pour ses JO. C'est vrai qu'au vu du scénario où au début il était pas mal, on peut dire que c'est un flop. Après, ça reste dans une stratégie de progression. On va le suivre sur les prochains mois. Mais au vu de son ascension de ces derniers mois, moi je reste quand même sur le flop. Antoine Rosner. Yann Jury, vous voulez rajouter Non, justement, chose, rien. Rien. N'hésitez pas, hein, pour tous les tops, on sait que c'est vous. Alors en judo, Guillaume Chen du COS de Sartrouville a réussi une belle performance en remportant face au Japon la médaille d'or en équipe mixte. Cette superbe performance a été réalisée avec Clarisse Agmenenou et Teddy Riner. Par contre, il n'a pas combattu en finale car la France avait gagné avant son passage. Il avait tout de même remporté ses deux combats avant. Top ou flop pour Guillaume Chen, top. Équipe, bam. Même s'il n'a pas combattu en finale, hein, je précise. Oui, mais il a gagné ses deux combats. On s'en fiche. Jean, vous a pas entendu. Non, parce que personne n'a parlé. Votre avis, Jean. Laissez-moi parler. Non, mais bien sûr, c'est fabuleux. Surtout le judo. Il faut quand même aller gagner sur la terre. Sur la terre ancestrale du judo. C'est magnifique, magnifique. Cette médaille d'or, c'est une des plus belles. Et peu importe s'il a combattu en finale ou pas. Ouais, une équipe, c'est une équipe. Quand il y a une équipe en sport collectif, quand il y a les remplaçants qui ne rentrent pas, ils sont quand même champions. Hein. Puis il remporte les deux combats où il est aligné. Donc, il a été au rendez-vous. Il était là. Hein. Yann Dujarry. Oui, oui. Le seul bémol qu'on peut mettre à la rigueur sur son tournoi olympique, c'est d'avoir perdu en 16e de finale. Mais il perd contre le champion du monde. Voilà. Donc. Il y a un moment où faut voir qui on combat. Et en plus, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Même le mouvement était contestable. Donc, il aurait pu ne pas être pénalisé. Donc, au judo, je crois que c'est un des sports sur lequel on peut avoir le plus de satisfaction. Ouais. On avait énormément d'attentes. Évidemment, on est déçu pour Teddy Riner avec seulement un bronze, mais il a tellement gagné qu'on attendait vraiment une autre médaille d'or. Il a quand même été chercher le bronze, parce que là pour le coup, il fallait être costaud pour repêchage, aller rechercher une médaille. Mais cette médaille par équipe, c'est une surprise absolument fantastique. J'ai adoré l'aspect surprise, en fait, surprise. Et cette bande de potes qui a dû se créer, finalement, il y a quand même du sérieux client et cliente avec Clarisse Agmenenou, notamment, et auréolée de ses médailles, et qui se fondent au service du collectif. Donc même s'il n'a pas combattu en finale, il a gagné les combats qu'il fallait gagner en équipe. Il fait partie de cette team en or. Et donc là, c'était un beau moment. Ce que j'ai aimé, moi, sur cette compétition principalement, c'est qu'il pouvait... Il y avait de la stratégie. C'est-à-dire que vous pouviez faire combattre un judoka moins lourd parce que il était à la limite d'une catégorie et d'aller taper un plus gros. Et Clarisse, je ne sais plus quel judoka judokate française, justement, était médaille d'or dans sa catégorie de poids inférieur. Elle est allée taper la championne olympique dans la catégorie supérieure. Et donc, du coup, ça démontre une... Enfin, ouais, c'est juste génial. Un caractère pour cette équipe. Bah, il ne sera jamais les premiers. Hein. C'était la première fois qu'il avait cette épreuve. Il écrit son nom en lettres d'or. Au Japon. Et Guillaume Chen, il est revanchard puisqu'il manque les JO de Rio pour un rien en 2016. Il a été souvent blessé dans les dernières années. Là, il vient chercher quand même une médaille olympique. Alors oui, il n'a pas combattu dans cette finale, mais encore une fois, il a remporté les deux combats. En plus, il est en fin de carrière pour le coup qu'en début de carrière. Il va peut-être faire Paris, mais c'est pas sûr. Donc, il pourrait terminer sur cette belle médaille d'or. Bien sûr, en tout cas. Alors en équitation, Christopher Six de Gazeran termine 3e avec son équipe de concours complet. Le cavalier de 35 ans termine également 7e en concours complet individuel avec son cheval Totem de Bressé. Il devait pourtant être remplaçant, mais Thibaut Valette a abandonné au dernier moment à cause de l'état de santé de son cheval. On écoute justement Christopher Six. C'était ma première Olympiade, donc ce qui n'était pas le cas de mes deux camarades, Nicolas Touzin et Karim Lagouag. Donc moi déjà, fallait que je fasse mes preuves auprès du staff fédéral, leur montrer que
que j'étais capable de tenir la pression, parce que sur les Jeux Olympiques, on a la pression. Surtout que là, maintenant, nous, dans notre discipline, les règles ont un petit peu changé depuis cette Olympiade-là. Avant, il y avait 4 concurrents qui couraient, les 3 meilleurs scores comptaient. Et là, en fait, on est 3 à courir, les 3 scores comptent. Donc, en fait, on n'a pas du tout le droit à l'erreur, quoi. Alors, il a remporté sa médaille avec son cheval totem de Bressé, je le disais précédemment. Un cheval qui ne lui appartient pas. C'est un cheval que lui ont confié des propriétaires. Donc, c'est aussi une belle histoire hein, pour Christopher Six. Alors, cette performance est-elle un top ou un flop ? Oui ou non ? J'imagine que vous êtes d'accord. Alors, c'est dans votre Moi, je vais mettre un bémol encore une fois. Un bémol parce que, pour Yann Jarier. À titre individuel, vu qu'il n'était pas prévu, etc., et qu'il a et qu'il tient là, il tient là, il tient sa place. Donc oui, à titre perso pour lui, oui, c'est plutôt un base, top. Hein. Voilà, c'est plutôt un top. Maintenant, pour l'équipe de France, pour moi, c'est un flop. On était champion olympique à Rio. Et là, on ne l'est pas. On ne l'est pas. Voilà. Donc, c'est juste pour ça. Oui. De son point de vue personnel, il est remplaçant, il est appelé, il fait cette médaille de bronze et en plus il concourt avec un cheval qui n'est pas le sien. Donc tous les éléments, tous les arguments sont. Voilà, c'est ça. Après, ça explique peut-être aussi la performance moins bonne de l'équipe de France. Oui, c'est-à-dire qu'on a fallu, on a eu de mauvais. Tous les voyants n'étaient pas ouverts. Oui, il y a eu beaucoup de chevaux malades, hein, je le précise, avant le début de la compétition. Donc tous les meilleurs chevaux ne sont pas partis à Tokyo. Voilà, c'était pour la petite précision. Alors, enfin en handball, Valentin Porte remporte une magnifique médaille d'or avec l'équipe de France. Le natif de Versailles a participé à l'aventure des Bleus et remporte la finale face au Danemark 25 à 23. La revanche de 2016, l'arrière-droit d'1m90 remporte ses premiers Jeux Olympiques. Top, j'imagine, pour vous. Non, flop. Bien sûr. Alors, attention. C'est pareil. Non, mais le problème du handball, c'est ça, c'est que même s'ils font argent, c'est un flop. Donc voilà. Ah, mais là, tout est bon. Voilà, là, ça a été. Les garçons, les filles. C'est juste du bonheur en barre. Ah, ce qui vient, c'est qu'on pouvait zapper d'une chaîne à l'autre, vous aviez le volet. C'était top. On a vécu une fin d'Olympiade. Et Valentin Porte aussi, qui est l'un des joueurs majeurs de cette équipe de France, Jean. Ah, bah oui, lui, il fait partie intégrale de cette équipe. Et c'est son premier titre olympique, je tiens à le préciser. Et voilà, mais là pour le coup, au niveau de la discipline, on attendait les Français et ils ont répondu présent. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on les attend des. Leur palmarès. On attendait peut-être pas les filles. Non, moins les filles, encore plus beau. Mais c'est énorme, ouais. C'est énorme. Hein. Mais il y a cette revanche face au Danemark aussi. Voilà, c'est la revanche de Rio aussi qui a été remportée. Ce double titre homme-femme qui n'arrivait pas depuis 84. Et Valentin Porte, elle est perdue face au Danemark en 2016. Hein. Je tiens également à le préciser. C'est quand même fou au BHV d'être capable. Toutes les équipes françaises, féminines ou masculines, reviennent avec une médaille. Quoi. C'est. Bon, je suis désolé, je vais peut-être un peu briser l'ambiance autour de cette fabuleuse médaille d'or du handball français. On va continuer à parler des performances de nos Yvinois au JO. Je suis désolé, Yann, on va parler cyclisme. C'est bien. Alors, ça n'a malheureusement pas été brillant pour nos Yvinois. On va tout d'abord parler du cyclisme sur piste. Il y a eu cette belle médaille de bronze en vitesse par équipe avec le trio Sébastien Vigier, Florian Grenkbo et Ryan Elal qui s'entraînent au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ou encore cette médaille de bronze sur la course à l'américaine avec l'ancien trappiste Benjamin Thomas et Grondin. Mais malheureusement, c'est tout. Mathilde Gros, la pépite annoncée depuis de nombreuses années, n'a pas remporté de médaille, même contre-performance. Pour les épreuves en individuel, Benjamin Thomas se rate sur l'Omnium alors qu'il est double champion du monde. Clara Copponi du VCE Sky termine 5e de l'américaine et 8e de l'Omnium. Alors avant de parler de BMX, je vous pose la question sur ce bilan du cyclisme sur piste français. Est-ce que ce bilan est inquiétant en vue de 2024? Oui ou non? Vous votez. Oui pour vous, Pierre Chevalier. Oui, partagé pour vous, Jean. Oui pour vous, Grégory. Ça c'est oui, ça c'est non, on est d'accord. Oui pour Vert, inquiétant, d'accord. Inquiétant. Bon, on va vous donner la parole, Grégory. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Après, il y a le paramètre jeunesse qui rentre en ligne de compte et je pense que non, Yann n'est pas d'accord avec ça. Non, mais en tout cas, oui, on les attendait. C'est vrai que on attendait au moins Mathilde Gros. Je pense que c'est l'une des plus grosses déceptions sur ces JO. Même si voilà, j'en perds mes arguments. Facile.
Non, mais j'en perds mes arguments. Moi, à mon sens, peut-être que la jeunesse, ça peut être un paramètre explicatif. Après, voilà, en vue de... Mathilde Debro, 22 ans. Ryan Hellal, 22 ans. Sébastien Vigier, 24 ans. Florent Gringbo, 21 ans. Larry Lavrezen, champion olympique en vitesse individuelle, 24 ans. Voilà. Alors oui, en effet... 2 ans de plus, hein. Non, il a le même âge que Sébastien Vigier. Il a le même âge que Sébastien Vigier. 24 ans. Je suis désolé. Donc on peut pas dire c'est pas pareil. Sauf que Sébastien, moi il y a un gros problème. Si on prend Sébastien, si on prend Ryan, si on prend Florian, ils sont tous champions du monde junior ou vice champions du monde junior. Donc il y a un truc. Lavrezen, il n'était pas là chez les juniors. Après, ils sont JO, c'est qu'ils ont mérité leur place. Mais complètement. Et en plus, sincèrement, ces trois garçons qui 6 mois avant n'étaient même pas préparés pour aligner la vitesse par équipe tous les trois, puisque à l'époque, avant la retraite de Grégory Boget, eh bien, Florian Gambo n'était pas du tout le démarreur. Donc en 6 mois, ils ont fait un super boulot d'aller chercher cette médaille de bronze, et ça s'est vraiment joué sur la finale, parce que sur tous les tours précédents, ils sont 4e à chaque fois derrière les Australiens. Et sur la finale, ils arrivent à passer devant les Australiens. Peut-être justement là, la jeunesse a fait son effet, parce que les Australiens avaient une moyenne d'âge beaucoup plus vieille. Ils ont vraiment coincé en finale. C'était le troisième ou le quatrième match de la journée. Donc en effet, ça commence à tirer dans les cannes. Donc voilà, pour moi, l'équipe de vitesse par équipe, super, ça c'est un top. Par contre, qu'on vienne pas me dire qu'ils sont trop jeunes pour pouvoir faire des tournois de vitesse individuelle. Non, c'est pas vrai. Ils ont fait des Coupes du Monde, ils ont fait des Championnats du Monde. Lavrezen, il fait les mêmes courses qu'eux, et en effet, il gagne aussi, il est toujours devant. Donc là, il y a un problème. Et le problème, il n'est pas sur ces garçons, il est général. Et à la Fédé, là, il faut se poser des questions. Mais je suis désolé, Londres, c'était un fiasco, on ne s'est pas posé les questions. Rio, pareil, on est revenu avec une médaille de bronze. Faut arrêter. L'objectif était 6 médailles, dont, si possible, 2 ou 3 titres. Mais oui, bien sûr. En cyclisme, en général. Donc, je prends route, je prends piste, VTT, et je prends BMX, BMX et VTT. VTT, je suis désolé. Chez les filles, on a les deux numéro 1 mondial et numéro 2 mondial. C'est pas normal. Suisse qui dose. Et on se fait après, tartiner. Après, un peu moins mécontent, parce que ce ne sont pas des Yvelinois. Mais ça n'empêche. Là, je vais parler du cyclisme en général. La seule équipe, à la rigueur, les garçons sur la route, voilà, 5e place. Moi, je trouve qu'ils s'en sont très, très bien sortis, parce que Julien Alaphilippe n'était pas là. Et c'est notre leader numéro 1. Je suis désolé, normal qu'une année olympique... Oui, il a eu un bébé, mais c'est pas normal qu'il ne vienne pas sur un Jeux olympiques. Ouais. Mais sur le cyclisme sur piste, là, on avait les meilleurs, pour vous. Oui. Ah oui, clairement. Aucun problème. On pouvait pas faire mieux. Si, puisque on a Kevin, on a Kneski qui est deux fois champion du monde des années précédentes, et là il est sur aucune marge sur aucun podium. C'est pareil, c'est des courses de peloton, c'est très très difficile, mais encore une fois on voit bien que sur les JO c'est toujours les mêmes qui gagnent. Mathilde, on n'est pas là. Je vais revenir peut-être également sur Mathilde Degros, parce qu'il faut avancer dans l'émission. Mathilde Degros qui échoue en repêchage en vitesse individuelle, elle a été éliminée en quart de finale de Kérin. Elle avait pourtant réalisé le 4e temps le premier jour. Elle avait battu le record olympique en 10-40 avant d'être dépassée par 3 autres sportives juste après. Elle a dit qu'elle était marquée à vie. Vous la croyez? Elle est marquée à vie après ces résultats. Alors j'espère. On disait que c'était peut-être la pépite du sport quand français, du cyclisme français. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle était marquée à vie au niveau de sa... Elle n'oubliera jamais cette mauvaise performance. Reste à savoir comment elle va s'en servir. Oui, exactement. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas normal quand on fait tout à fait, mais après maintenant il va falloir qu'elle transforme ça pour Paris. Est-ce qu'on l'a pas vu trop belle finalement, Mathilde? Mais non, elle fait le 4e temps. Elle fait le 4e temps en qualif. C'est pas normal quand on fait le 4e temps en qualif de se faire sortir en quart de finale. En quart de finale, il y a encore 8 adversaires. Vous êtes largement au-dessus des personnes des adversaires que vous rencontrez. Donc c'est pas logique. Yeah. Qu'elle se fasse sortir en demi-finale et qu'elle perde même pour la médaille de bronze, je pourrais l'entendre. Mais là, elle doit pas perdre en quart de finale. Donc c'est son parcours. Elle a pas le métier. Et là, on se rend bien compte que au JO, il faut de l'expérience. Donc, Tu reviens sur la jeunesse. Oui, mais c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle n'arrive pas à passer ce cap de junior sur les performances. Non, Mathilde, elle vient de nulle part. Elle fait du basket. Oui. Mathilde, elle vient de nulle part. Il ne faut pas l'oublier. Mathilde, il y a 4 ans ou 5 ans maintenant, elle n'était jamais montée sur un vélo de piste. Et c'est une discipline qui est
hyper technique et qui est très très particulière. Elle a 5 ans et elle a eu des résultats quand même. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais parce que elle a les qualités. Elle a fait des victoires en circuit de coupe du monde. Surtout chez les juniors, elle a tout explosé. Elle a tout gagné chez les juniors. Elle a tout gagné chez les juniors et en effet. Est-ce que c'est pas le mental peut-être qui pêche aussi? Peut-être c'était ses premiers Jeux Olympiques, il y avait énormément de pression. Il y a un problème de préparation, c'est tout. À votre avis, Grégory? Jean, allez-y, parlez, exprimez-vous, vous pouvez vous exprimer ici. Non, je disais, on en a parlé déjà sur ce plateau, mais ces Jeux Olympiques, on a quand même une équipe qui est assez jeune, et on avait dit aussi que c'était pour les, entre guillemets, pour leur montrer ce que c'était une épreuve olympique, et préparer surtout 2024 en France pour la performer au maximum. Je ne dis pas qu'ils ont fait l'impasse sur ces Jeux Olympiques. Mais au moins, et tu l'as dit tout à l'heure, Mathilde Gros, ben, elle est marquée à vie. Et comment va-t-elle réagir sur justement... Elle a dit qu'elle ne voulait plus revivre ça. Voilà. Donc est-ce, quitte que ça, peut-être est-ce que ça va lui donner un gros coup de fouet? Pas forcément abandonner le cyclisme, mais non. C'est une option. Ah ben, il y a deux solutions. Ou alors elle jette l'éponge, ou alors ça va la rendre plus forte. Donc ça peut être positif. Et il y a des défaites positives. Espérons que ces défaites-là soient positives pour le cyclisme français sur route. Mais, quoi. Mais si on joue sur la pression en 2024... Il y aura encore plus de pression. Oui, il y aura plus de pression, mais ils auront déjà vécu ce que c'est. C'est vrai que sur les Olympiades, on n'a jamais le choix dans la date. Et que là, de Tokyo, qui est passé de 4 à 5 ans, et puis finalement Paris 2024, on n'a pas de meilleur moment en fait, pour aller se mesurer. Et c'est tout l'aspect mental qui va jouer. S'il y a marqué à vie, OK. On peut le comprendre. Je pense que c'est l'orgueil qui parle. Parce que je pense que malgré tout, même si elle n'est pas cycliste de longue date, elle est compétitrice de longue date. Basketteuse avant, cycliste, elle est estampillée pépite du cyclisme français. Je pense qu'au contraire, c'est peut-être ce qui pouvait lui arriver de mieux. Avec une bonne baffe qu'elle prend comme une blessure d'orgueil. Et là, maintenant, elle a 3 ans pour se préparer. Effectivement, il y aura beaucoup, beaucoup de pression, mais il y aura aussi beaucoup de repères. Pour elle, et je pense que ça peut jouer aussi dans la balance. Et justement, dans une balance entre la pression qu'elle peut absorber, et puis de l'autre, cette expérience, ce ressenti et cette blessure d'orgueil, et les repères qu'elle a au Vélodrome et en gros sur le sol français. Alors, on va maintenant parler de nos pilotes de BMX Race. Là aussi, les sportifs qui s'entraînent régulièrement sur le stadium de BMX. Deux 50 ans en Yvelines se sont ratés. Chez les femmes, Manon Valentino est éliminée dès son entrée en lice. Axel Etienne termine 7e sur 8 en finale. Chez les hommes, par contre, grosse déception. Sur 7 pilotes, 3 étaient en finale. Sylvain André, Romain Mailleux et Joris Daudet. Mais aucun n'a terminé sur le podium, avec notamment une chute de Joris Daudet dans la dernière ligne droite alors qu'il avait le podium en ligne de mire. Les deux autres se sont gênés et Sylvain André termine 4e. Je vous pose la question, ce bilan est-il inquiétant également pour 2024 ou c'est un peu moins inquiétant en BMX peut-être qu'en cyclisme sur piste? Le BMX, le problème c'est que c'est quand même un peu plus aléatoire. Alors Joris Daudet il tombe tout seul, c'est quand même une catastrophe. Et en équitation, là, les chevaux étaient malades, peut-être que là les vélos étaient malades. Peut-être. On a demandé à la Fédération française de cyclisme. Ils ont pas pris le bon avoine. Mais non, là c'est. En plus, je dirais, à l'arrière, ce serait un jeune qui. Purée, je vais l'avoir la médaille et puis il perd ses moyens. Mais Joris Daudet, il a été champion du monde plusieurs fois. C'est pas. Mais là, il y a la marche olympique et en effet, il rate un truc. Là, je pense que. Il a craqué dans la tête. Et puis alors après, c'est pareil, je veux dire, on a 3 mecs. On n'est pas foutu d'en foutre un sur le podium. 3 sur 7, hein, Grégory. Disons, voilà, c'est pas inquiétant, je pense, parce qu'il y a quand même des finales françaises sur ces épreuves de BMX. C'est décevant. C'est la nation qui a mis le plus de pilotes en finale, finalement. Oui, voilà. Mais voilà, comme dit Yann, 3 qui étaient en finale et aucun qui termine sur le podium. Donc. Si on fait ça avec un pourcentage de chance, quand on a 3 mecs au départ sur 7, quel est le pourcentage de chance d'avoir au moins juste une médaille? 7 pilotes au départ, 3 qui sont en finale, ça, c'est satisfaisant. Il y a Axel Etienne aussi qui fait une finale côté femme. Maintenant, il n'y a pas eu ces titres. Donc oui, c'est décevant. Inquiétant pour Paris 2024, non. Non, parce qu'en plus, 2024, vous pouvez faire la même chose et puis vous faites tripler. Hein. Oui. Ça n'a absolument rien à voir. Vous mettez les mêmes mecs et puis ça se trouve, vous faites 10 fois la course et 10 fois, vous n'avez pas le même résultat non plus. Donc le BMX, il y a ce côté, oui, il faut être fort, mais il y a aussi ce côté aléatoire de la chute qui peut arriver, du mauvais départ, enfin plein de choses qui... Rien n'est fait tant que la ligne n'est pas passée. On va maintenant passer à notre page coup de projecteur.
Alors, on devait parler de François Pervis, de sa retraite internationale. On n'aura malheureusement pas le temps pour cette émission. On va le reporter à la prochaine émission. On va passer à votre envolée, à Grégory. De quoi allez-vous nous parler? C'est un petit peu notre dessert ici, hein, dans ce, si on parlait sport. Et vu que vous avez travaillé dessus, autant voilà, la passer. Autant la faire. Hein. Bah, je vais vous parler d'une Olympiade. Alors, je ne parle pas des Jeux Olympiques, hein, qui, on l'a compris, le bilan est plutôt mi-figue, mi-raisin pour le clan français, même si, heureusement, qu'il y avait les sports collectifs pour sauver la mise. Mais je vais parler des Jeux Paralympiques de 2020, qui se sont déroulés également cet été, hein, du 24 août au 5 septembre à Tokyo. L'objectif affiché était de 35 médailles. Eh bien, nos tricolores l'ont pulvérisé. 54 médailles, dont 11 en or, 14 en argent et 28 en bronze. Une 14e place pour la France, qui va bien plus loin que les 28 breloques obtenues à Rio et dépasse même les 52 de Pékin 2008. Donc, la performance était au rendez-vous. Et parmi les héros de cette délégation française, il y avait bien sûr des Yvelinois. On va parler des cyclistes, bien évidemment. Et déjà, une belle fin de carrière. On n'en a pas parlé. On devait lui consacrer une partie à France. François Pervis, j'y reviens lors de la prochaine émission assez rapidement, longuement. Mais en tout cas, voilà, François Pervis qui, pour la fin de sa carrière en tandem, est allé chercher avec le pistard déficient visuel Raphaël Beaugilet le bronze en kilomètre. À 36 ans, il rentre donc dans le club très fermé des athlètes médaillés aux JO et aux Jeux Paralympiques. Bravo à lui. Deux médailles de bronze. Moi, je retiens aussi un sourire, celui de Marie Patouillet, un sourire très communicatif, 33 ans, natif de Versailles, qui a exercé comme médecin généraliste dans les Yvelines. La cycliste est née avec une malformation au pied gauche et restera comme un symbole de Tokyo 2020. C'est la première médaille française de l'événement et elle est en bronze sur la poursuite individuelle. Puis l'athlète a récidivé une semaine plus tard avec un nouveau bronze sur route pour la course en ligne C4-C5 et deux quatrièmes places également à noter en contre-la-montre et en 500 mètres contre-la-montre. Alors nous avons brillé en cyclisme mais aussi en natation, c'est un peu le miroir inversé hein, des Jeux Olympiques. Avec la jeunesse qui est au pouvoir pour la natation, deux noms à retenir, Hugo Didier, comme 19 quoi, ans. On peut gagner, en étant jeune. Hugo Didier, natif du Chesnay, 19 ans, qui est désormais licencié dans un club de Haute-Garonne. Deux médailles pour lui, une en argent sur le 400 mètres nage libre S9, un bronze également sur le 200 mètres 4 nages S9. 19 ans, tout comme Alex Portal, hein, le licencié du Cercle des nageurs de l'Ouest francilien, un club de Saint-Germain-en-Laye. C'est un club pourvoyeur de champions. Et pour sa première, l'Yvelinois, qui souffre de déficience visuelle, a paru vétéran. Médaille d'argent aux 200 mètres 4 nages S13, bronze aux 400 mètres nage libre, quatrième place également aux 100 mètres papillon. Et une justesse aussi dans l'analyse de ses performances dans les interviews d'après eh bien, les finales. Alex Portal paraissait tout de même déçu hein, au sortir de ses courses, lui qui rêve de l'or. Mais après la décompression, vous l'avez interrogé, Michael, et finalement, il est plutôt satisfait de ses performances. Vraiment heureux là, d'avoir fait ces deux médailles. C'est surtout la dernière, donc je suis vraiment fier en 200 mètres 4 nages, où je fais l'argent. Et après, sinon, ouais, c'est vraiment ça décompresse. On est parti un mois avec la natation au Japon, on est parti le 2 août, et là, on est revenu le 6 septembre, donc ça fait vraiment du bien de pouvoir se poser chez soi. Je prends de l'expérience d'année en année. Je l'ai vu même pendant mes courses au jeu, j'arrive à faire des médailles, mais il reste des choses à améliorer. Les phases non nagées, les virages, les culbutes, les coulées. Après, même sur les phases nagées, surtout le dos et la brasse, à améliorer pour le 200 mètres 4 nage. Et voilà, après, je pense que c'est un suivi global, la musculation, la nutrition. Je pense qu'il y a plein de points à améliorer partout. Il faut essayer de se perfectionner tout le temps. Et c'est comme ça que j'arriverai à faire de belles choses, je pense. Voilà, l'objectif est fixé, 3 ans d'entraînement d'ici Paris 2024 pour devenir, pourquoi pas, champion olympique. On poursuit avec une revanche, Mickaël, et celle de Timothée Adolphe, 31 ans, natif de Versailles, et qui a découvert l'athlétisme à Guyancourt, où il a habité. L'athlète déficient visuel était arrivé 5e au 100 mètres à Rio, disqualifié pour avoir mordu la ligne. À Tokyo, le sportif avait été de nouveau disqualifié au 400 mètres, cette fois-ci pour avoir perdu le lien avec son guide. Mais Timothée Adolphe n'a pas lâché, il n'a rien lâché, il est allé décrocher sa première médaille dans une Olympiade en argent sur le 100 mètres T11 avec son guide Bruno Naprix, comme quoi hein, il ne faut jamais abandonner. Et puis deux premières sans médaille, mais qu'importe, la joie d'être à Tokyo était là, en tennis fauteuil notamment, avec la numéro 38 mondiale, la vicinoise Charlotte Fairbank, 29 ans, qui n'a pas passé le premier tour ni en simple ni en double avec sa compatriote Emmanuelle Morsch. Et enfin l'Andrésien Meryl Loquette qui était également de la partie. Sa discipline, le para-badminton, est entré aux Jeux Paralympiques cette année. Le joueur de 23 ans a échoué en phase de groupe. Une défaite
une victoire d'abord contre le Polonais Mroz, avant de céder par deux fois contre les Indonésiens, si j'écorche les noms, Henry Mutsi et Nugroho, qui obtiendront plus tard respectivement les médailles d'argent et de bronze. Enfin, un mot, je n'oublie pas Cécile Saboureau, la paratriathlète élan courtoise qui aurait dû être du voyage à Tokyo, mais elle a été victime d'un grave accident de la route lors de son entraînement. L'essentiel, c'est qu'elle va bien, elle se soigne et elle regarde dorénavant de l'avant. J'ai envie de dire une chose, vivement Paris 2024. La question sur ce thème, est-ce qu'ils ont performé tout simplement ces sportifs là-bas lors des Jeux paralympiques de Tokyo, oui ou non? Oui, tout simplement, oui, vous allez aller. Est-ce que c'est suffisant? Parce que on a entendu que ce n'était pas forcément suffisant, ce n'était pas forcément dans les objectifs. Et je pense que on a un problème en France, c'est qu'on se satisfait du podium. Et c'est... Apparemment, Alex Portal ne se satisfait pas du podium. Il a fini deuxième, troisième, quatrième, je crois également. Tous ne le sont pas. Et le problème, c'est que je vais prendre la phrase d'un entraîneur français qui est entraîneur cycliste dans un pays comme la Chine et le Japon. Donc, rappelez-moi son nom. Je ne peux pas vous aider là-dessus. Entraîneur pistard, mais bon, c'est pas grave. En effet, c'est pas normal d'honorer de la même manière des sportifs qui font une médaille d'argent, une médaille de bronze et une médaille d'air d'or. On va pas trop. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu le problème. Et donc du coup, on se satisfait d'un podium olympique, on se satisfait d'une médaille de bronze. Et je suis désolé, c'est pas toujours suffisant. Alors après, je vais prendre l'exemple de Marie Patouillet, que je connais très bien. Qui était là, avait préparé et a découvert la piste grâce aux 500 mètres et qui vient chercher une médaille de bronze sur la poursuite, bah là c'est top. Parce qu'en effet, c'est pas la discipline qu'elle a préparée le plus et elle va chercher une médaille de bronze. Là on peut s'en satisfaire, mais pour certains athlètes, ce n'est pas le cas. Et puis après, elle va en plus chercher celle sur le contre-la-montre, sur la route, encore une autre. Sur la course en ligne. Et là, c'est encore autre chose. Et c'était pas du tout écrit. Et je peux vous assurer qu'elle était très, très contente de ses résultats. Et elle peut l'être. Maintenant, il y a certaines médailles de bronze qui sont des médailles de rattrapage et on s'en satisfait derrière. Sur la patrie de Poulidor. Donc effectivement, on a cet état d'esprit-là, mais qui est en train de changer sur le fond. Et finalement, depuis 98, alors déjà sur les titres collectifs, sur les sports collectifs, et c'est aussi en train de changer et d'accompagner, parce que c'est, en fait, maintenant, les champions d'hier sont les entraîneurs d'aujourd'hui et de demain, et qu'on a un bon calendrier. Et c'est vrai que la montée vers Paris 2024, que ce soit chez les handis ou chez les valides, c'est assez prometteur. Et malgré tout, ce record de médailles pour la France paralympique, c'est inattendu. Oui, il y a beaucoup de bronze et peu d'or. Il manque quand même, notamment au tir. Enfin, il y a pas mal de disciplines comme ça où on était attendu. Mais c'est pareil. Donc c'est monter gentiment en puissance et sûrement en puissance vers Paris 2024 et quand même regarder ces deux bilans avec bienveillance. Oui, il y a des déceptions, mais il y a eu aussi des belles surprises. Je pense que sur le collectif, on est au rendez-vous avec des surprises. Donc, comme dit Greg, vivement au Paris 2024. Jean, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, moi, très bien. Sur les dernières, on parle du Paralympique. On parle du Paralympique, effectivement. Et quand même, objectif 35, 54 médailles. Alors, bon, certes, on peut dire qu'il y a beaucoup de bronze. Beaucoup de bronze. Ouais, mais enfin, 11 médailles d'or. Et puis, quand même, lorsqu'on se fixe un objectif de 35 médailles en tout, et qu'on revient avec 54... Quand même, je pense quand même que... Dans un événement pas simple, hein, voilà. Il n'y avait pas de public. L'exportal le disait justement, le fait qu'il n'y ait pas de public, ça a enlevé un petit peu de saveur et peut-être un peu de motivation pour certains. Donc peut-être qu'ils auraient pu faire peut-être un peu plus de médailles encore. Ou de pression. Oui, certainement, mais bon, quand même. Alors certes, c'est vrai, on a un peu cet esprit français où on se contente de peu. Mais là... Pas quand on n'atteint pas l'objectif, on dit c'est une défaite, une désillusion. Et là, on dépasse largement l'objectif. On peut quand même, de temps en temps aussi, se féliciter des résultats. Ce qui me faisait mal, en fait, c'était de voir un pays comme l'Azerbaïdjan au tableau des médailles qui était devant nous parce qu'ils avaient beaucoup de médailles d'or
alors qu'ils avaient un nombre de médailles qui était vraiment inférieur à nous. Du jeu. C'est les règles du tableau de médailles, je suis d'accord. Mais c'est vrai que moi, ça me faisait mal parce que, en effet, c'est. Mais la Chine, ils ont. Chine, États-Unis. Voilà. Après, voilà, les Azerbaïdjans, les médailles d'or qu'ils allaient prendre, ils allaient les prendre en musculation, sur l'athlétisme, pardon, sur l'haltérophilie. Sur l'haltérophilie. Si on me paye le billet d'avion, je vais bien y aller. Et c'est vrai que là-dessus, ils brillaient. Mais moi, ça me faisait mal de me dire, purée, ils ont deux fois moins de médailles que nous et ils sont quand même devant. Et ça, c'était mon côté un peu amour-propre. Et en effet, c'est pour ça que je dis, c'est les médailles d'or qui comptent et il faut aller les chercher parce que le tableau de médailles, il est important. Un petit mot sur quand même Cécile Sabourot, quand même, qui a eu son accident juste avant de partir. C'est compliqué, forcément, pour elle. Moins de 10 jours avant, je crois, un truc comme ça. J'ai vu la photo sur les réseaux sociaux. Mais c'est difficile, ça lui est arrivé. Voilà, expliquez-nous un peu. Elle a été percutée par un chauffard qui en plus a pris la fuite. Ensuite, on l'a suivi sur ses opérations. Alors, j'ai plus le nom en tête. Je crois que c'est le spin jack, ça s'appelle l'opération. Donc, l'essentiel, c'est qu'elle aille bien. Elle a été touchée aux vertèbres, lourdement touchée aux vertèbres. Elle était obligée de déclarer forfait. Effectivement, son vélo, c'est impressionnant, quoi. Il a été littéralement scié en deux. Et donc, voilà, l'essentiel, c'est qu'elle aille bien aujourd'hui. Elle a manqué ses Jeux paralympiques. C'est une grosse déception. Mais elle garde quand même dans un coin de sa tête Paris 2024, elle espère pouvoir y être. Regardez le vélo qui est coupé en deux. Oui, parce qu'elle s'entraînait depuis des années et des années pour cette échéance, je tiens à le préciser. 10 jours avant, accident. Comment on fait pour se relever aussi de ça Mais voilà, c'est un sportif, il n'est pas constitué comme tout le monde, et un sportif de haut niveau tout simplement. Juste très, très rapidement, parce que je sais que le temps est précieux. Pour moi, la plus belle image de ces Jeux Olympiques depuis longtemps, c'est Idilin Diaz, l'haltérophile philippine, qui remporte la médaille d'or, sachant qu'il n'y a pas de salle de musculation aux Philippines, qu'elle s'entraînait avec des bouteilles d'eau. Elle a reçu d'ailleurs la médaille exception de l'esprit de l'olympisme. Moi, pour moi, c'est fabuleux, ça. Voilà vrai, l'Olympique. Pas d'excuse pour ne pas faire de sport, c'est ça en gros. Pas d'excuse, voilà, ça c'est le meilleur moyen. Alors, c'est déjà la fin de cette émission. Vous l'avez bien vu, Jean. On va terminer, comme d'habitude, par une citation. Aujourd'hui, permettez-moi de citer un acteur et non pas un sportif. Je veux parler de Jean-Paul Belmondo. Il a été tout de même boxeur professionnel et un grand supporter du PSG. La citation peut se prêter au sport. Il a dit « Prendre des années n'est pas très grave, car chaque âge a ses plaisirs et ses bonheurs ». Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78.